Enfin bref, vous connaissez la musique, et eh bien salut à toutes et à tous, c'est TheJeanMimi24 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Disney Infinity, donc la partie trilogique, si ça se dit, Rise Against the Empire, voilà. Alors je vais pas laisser le générique, hein, parce que sinon, eh bien tout simplement, je me fais striker par YouTube, voilà. Donc je vais accélérer le truc et on se retrouve tout de suite pour sûrement la première cinématique. Et maintenant? Nous devons ramener cette unité R2 sur Tatooine. Les plans qu'ils transportent sont l'occasion rêvée pour l'Alliance d'en finir avec l'Empire. C'est comme vous voulez, princesse. Allons-y. Une capsule de sauvetage? Es-tu sûr que ce n'est pas risqué, R2? Luke, tu es le suivant. Rends-nous les plans, cloporte de rebelles. Ah, non! Nous sommes en mission diplomatique pour Alderaan. Seigneur Vador, on a capturé les rebelles. Ça va être un plaisir d'assister à votre interrogatoire. Joli tir, Han. La récompense attendra. Nous devons retrouver ces droïdes. Si jamais on aura votre malheur... Envoyez un détachement pour les retrouver. Il nous faut ces plans. Qu'est-ce que c'est? Attendez une seconde. Chewie, tu veux bien? Danger à proximité. Débris de météorite en approche. C'est possible de piloter cet engin? Non. C'est pas le faucon, mais c'est parti. Et on est parti. Hop, purée, faut manœuvrer, c'est chaud patate. Non, en fait, ça va. Tranquille. Oh, purée. Hop. Waouh. Excellent. Excellent le champ de météorite. C'est bien, les pilotes ils nous dégagent le passage là, impeccable. Bon, en tout cas là on est en train de se cracher. Ouais, en vrai non, non, là je suis pas d'accord, en vrai t'exploses quoi. Guide de mission t'indiquera la direction et la distance à laquelle se trouve le prochain objectif de ta mission. Ouais, blabla, c'est bien beau. Ouais. Ok, donc on peut tirer. On a de la force. Hop, on tombe pas. Et on a du sabre, impeccable. Un ancien général de la guerre des clones vit par ici. Pfff. Allô? Hop. Allô? Oh, toutes mes excuses. J'ai oublié que j'avais éteint le communicateur. Voilà, R2 et moi avons trouvé le général Kenobi. Venez vite, je vous en prie. Ils ont déjà trouvé Ben, bah dis donc. Voilà la capsule. Mais où sont les droïdes? Allez, l'homme des sables, il dégage. Ce sont les pires. Visez ton ennemi, augmente les dégâts occasionnés par ton tir. Pas le temps de se reposer, ne restons pas là. Hop. R2 capte un signal et celui-ci se dirige dans votre direction. Soyez très prudent. Hop. Tu peux jongler avec tes ennemis en les lançant en l'air et en leur tirant dessus plusieurs fois. Faire jongler tes ennemis les rendra vulnérables et te permettra et de qu'est-ce qu'il me veut, l'autre là? Voilà. Hop, ça dégage. Hop. Allez, oui. Ah ok, voilà. Ça c'est bon.
Et on y va. Coucou, c'est nous. C'est pas toi, mais j'en ai assez de ces hôtes indésirables. Je vous en prie, mes amis, entrez. Pas mal. Pas mal, le vieux Ben. Ah. Ok, c'est bien. Princesse Leia, vous êtes sauve. Oh, quel bonheur. Général Kenobi. Général, c'est vous, Obi-Wan Kenobi? Et pourquoi faire tout ce chemin pour voir un vieil homme? Dans la mémoire de cette unité R2 se cachent des informations cruciales pour la survie de la rébellion. Et maintenant vous êtes mon seul espoir pour conduire ce droïde sur Aldorande. Il nous faut un vaisseau rapide. Assez rapide pour éviter que l'Empire s'intéresse trop à nous. Vous avez de la chance, vieil homme. Il se trouve que je suis le capitaine du Faucon Millenium. C'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Capitaine Solo, puis-je vous rappeler que Jabba a peut-être mis votre vaisseau sous séquestre à Mos Eisley, car vous ne lui avez pas remboursé ce que vous lui devez. Ça m'était complètement sorti de la tête. Merci, 3PO. Pas de doute qu'une solution se présentera à Mos Eisley. Luke, patiente un instant. C'est l'arme des chevaliers Jedi. Elle appartenait à ton père. Mais on l'avait déjà avant. Sur un transport spatial. Ton père était le meilleur astropilote de la galaxie. Et c'était un bon ami. Comment mon père est-il mort? Il a été tué par un jeune Jedi qui fut soudoyé par le côté obscur de la Force. Ce disciple s'appelait Dark Vador. D'un certain point de vue. C'est lui qui a tué mon père? Après ta formation, je pense que toi aussi tu deviendras un Jedi. Viens, ne faisons pas attendre tes amis. Vador. Bienvenue à Mos Eisley, le repère des malandrins les plus infâmes. Il faut se montrer prudent, ne bois surtout pas d'eau. Oh! Mais j'ai soif, moi! Qu'est-ce qu'il dit, Bren, là? Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, on peut jouer avec le vieux, le jeune Obi-Wan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut parler à un Jawa? Ouais, bon, on s'en branle. On veut pas faire les missions annexes, on va faire les missions principales. Et elle est là. Enfin, je crois qu'elle est là. Moi, ouais, ça doit être ça. D'accord. Je suis allé voir le Faucon Millenium et j'ai le regret de t'annoncer qu'il est immobilisé. Visiblement, Jabba est assez pointilleux sur les dettes en retard. Ok. Il y a quelqu'un qui attend son règlement à l'aire d'embarquement. Ah bah oui. Ah bah, je suis en train de le transpercer, le gars. Tu travailles avec Solo, mon maître Jabba le Hutt a confisqué le vaisseau de Solo, le Corellien lui doit beaucoup d'argent. Donne-moi les 2000 crédits que Solo doit et le vaisseau sera restitué. Allez, après que j'ai galéré à, comment dire, à faire de l'argent pour construire plein, enfin, pour faire plein de choses et construire ce station sport, je vais enfin pouvoir libérer le faucon en quelque sorte. Mais pour ça, il va falloir que je pilote un superbe vaisseau. Génial! Tu vois, je te l'avais dit, des Skyhoppers. Attention, ils sont très rapides et armés. Voyons si tu as l'étoffe d'un champion. T'es prêt? Non. Oh, génial! J'adore piloter ces engins. Oh merde. Je m'en charge. comment je monte? Appuie. Appuie et maintiens L2 pour ralentir, ouais, ok, ouais. Pour pimenter le défi, j'ai placé quelques cibles que tu devras toucher. Repère-les. Wow. Je me sens prêt à relever tous les défis. Eh oui, la force est puissante. Ou pas. Voilà. Ouais, c'est vraiment mal foutu. Sans déconner. Oh la vache. Faut gérer mais tellement de trucs. Je
Ok. Voilà la suite. Ouais, le vieux bruit du pépiteur, enfin du coussin pépiteur là. Voilà, hey, impeccable. Et bah voilà, impeccable. Allez, je vais direct là-bas. Et hop là, nickel. Ah, attendez. D'abord ça. Pas le temps de se reposer. Ne restons pas là. Allez, viens, un toc. Tiens. Voilà. Et on va récupérer le faucon. Bien joué. Les droïdes et moi allons attendre près du vaisseau. Quand tu seras prêt, nous partirons pour Eldorand. Ne perds pas trop de temps. N'oublie pas, tu ne pourras pas revenir plus tard. Merci, merci. Eh ben, on y va. Ciao, Tatooine. Si, il veut bien. Voilà. Et le faucon, il est tout petit, quoi. Oui, oui, on la connaît, la chanson. Activez votre carte pour commencer. Allez, on active. Cette carte stellaire est votre guide personnel pour explorer la galaxie connue. L'écran indiquera les systèmes propices à l'exploration. Une autre fonction utile de la carte stellaire est de vous indiquer sur quelle mission vous devez intervenir et quels objets vous devez récupérer. Tatooine. Comme vous le voyez, votre position actuelle est indiquée. Il vous reste beaucoup à faire ici. Mais pour compléter cette calibration, décollons sans plus attendre. Bye bye. Merci de choisir une destination. Eh bien oui, on va faire ça. Voici votre pas d'atterrissage. C'est un lieu très pratique pour passer en revue votre collection de vaisseaux et en choisir un. Veuillez choisir un vaisseau. Oh, il est chiant, ils sont chiants avec leur info qu'on connaît déjà. Voilà, allez, salut les gars. On se casse. Putain, mais il aurait pu le faire plus gros, quoi, le faucon, sans déconner. Je pouvais pas le faire plus petit, hein. Ouais, et c'est bon, on connaît le truc. Hein. Voilà. Et c'est parti. Accrochez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est Eldorand? Elle n'est pas là. C'est un champ d'astéroïdes. Les coordonnées ne sont pas les bonnes. Ces astéroïdes sont les restes d'Eldorand. Elle a été complètement anéantie. Non, non. Qu'est-ce que C'est la lune d'Aldorand ou... Ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale. L'étoile noire. C'est l'Empire qui a fait ça. Que se passe-t-il? Comprenez-vous? Un rayon tracteur nous attire. Je sais, Chewie, j'essaie. Rejoignons la rébellion. Cette base doit être détruite. Allons-y. Je fais tout pour. C'est là que nous devons nous rendre. Tu l'as dit, Chewie. J'espère que t'as raison, petit gars. Ils nous ont bien ferré. Personne à bord, monsieur. Les capsules ont été larguées avant l'atterrissage. Le seigneur Vador ne va pas être content. Je vais me charger d'une des connexions, mais il faut te charger de l'autre. Luke, emmène les autres et trouve une porte d'accès. R2 court-circuitera le programme de sécurité pour que nous puissions couper le rayon tracteur. Je vous retrouverai à bord du Faucon. Seul, c'est trop dangereux. Je vais avec vous. Luke, tu dois protéger les droïdes et les conduire à l'Alliance Rebelle. Ma destinée est de suivre un autre chemin. Allons, Luke, il faut nous dépêcher. On ne peut pas permettre à l'Empire de réutiliser cette arme. Que la Force soit avec toi. Ok. Ok, ok. Et je ne te décevrai pas. Allez, une petite augmentation de niveau, impeccable. Hop, et bien...
et je vais prendre ça et puis c'est bon. Ok. Oh la belle étoile noire. Quelle est belle. Oh, ça il faut que je tue. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un holocron. Ok, bah on est parti. Pour tuer du Stormtrooper, j'imagine. Wow, 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 c'est quoi ça là? Ah ouais, ok, ouais, j'ai compris, faut passer. Et la caméra là, elle déconne complètement. Oh putain. Ok. Easy. Pas très sécurisé à cette base. Ouais, bon, il y en a de temps en temps quoi. Mais si tu vas bien sur le côté, no problemo. Bon, écoutez, moi j'y vais. Hein. Voilà, impeccable. Tu veux de la caisse un peu là, se faire un peu de pognon. Là, il y a encore une sale bête. Oh punaise, je dois aller là-bas. Utiliser. Et on est parti. Parce que, effectivement, il y a le logo de l'Alliance dans l'étoile noire. Hein. Mais bon, ce jeu est tellement incohérent. C'est quoi ça? C'est du Storm, ouais. Voilà. Ah, loupé. Oh, c'est moi, il s'est fait gicler par le bordel, là. Ou pas. Pas le temps de se reposer. Ne restons pas là. Ah, enfin une alarme, mais c'est pas du tout le bon bruit de l'alarme. Vous l'aurez remarqué. Oh, il a volé, là. Il est où le vrai... La vraie alarme de Star Wars, on la veut. Bah, elle est pas là. Oh, le rayon tracteur. Oh, c'est beau. Bah, dans le film, c'est plus joli. Oh, wow, wow, wow. Bah, tu vas voir. Allez, tu meurs, voilà. Et en même temps, je me fais de la thune, impeccable. Oh, j'ai cru que ça passait pas. J'ai cru que ça passait pas. R2 indique qu'un des générateurs du rayon tracteur a été désactivé. Ah, formidable. Maintenant, passez au suivant. Hop. Et on saute. Nickel. On utilise. Ok. Et ça va, hein. C'est encore... Non, en fait, j'ai rien dit. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, hop. Moi, j'ai cru qu'il allait tomber. Ok. Ok, bah voilà, c'est ce qui me semblait. Bande d'enfoirés. Eh, mais arrête de bugger, toi. Bon, enfoiré. Il m'a trollé. Ok. Je dois faire quoi là? Ah, ok. Faut que j'aille à droite. Ou pas. Ok. Ça commence bien. Oh purée, j'ai failli tomber. Ouais, mais ok, mais... Alors déjà que la caméra est complètement buggée.
D'accord, c'est pas... Non, mais il est con. Et je mets mon joystick vers le haut. Mais il est doublement con. Oh là 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 là. Oh, le niveau, quoi. Ok, fallait juste faire ça. Ah ouais, ok, il me l'a indiqué, moi, comme un con. Hein. Ouais, ok. Bon, on va dire que c'est moi. Mais c'est quand même lui. Donc ça, c'est un truc qui va te monter. Voilà, super. Oh, purée. Hop. Ah bah là on a une vraie, la vraie musique au purée, il sort d'où? Tu veux pas venir? Ah voilà. Oh bah il est mort juste en venant le gars. On va finir super. Le bonhomme il est même pas né. Bon écoute, tu vas mourir à l'ancienne. Ou pas. Ou pas. Eh mais c'est que j'ai crevé en plus. Oh, il est tombé. Excellent. Oh purée, ils sont juste là. Ça c'est vraiment des vrais Stormtroopers. La vie, viens, s'il te plaît. Voilà, on vient. Encore un petit peu, s'il te plaît. Elle veut pas venir un peu là. Bon, tant pis. Il y en a d'autres. Qui veut mourir? Non? Ok. Bon, on est parti. Pour crever. Ah non, c'est bon, il y a de la vie ici. Impeccable. Qu'est-ce qu'il veut avec son pistolet à eau, lui, là? Je vous envoie les coordonnées. Oh là là, des méchants Stormtroopers. Vous devez vaincre les officiers impériaux avant qu'ils n'appellent derrière vous. Les rebelles sont là. Je dois envoyer des renforts. Ah, enfin, écrasez-les. Ah, c'est que je vais crever, moi. J'espère que tu retiendras cette leçon. Hop là, terminé, j'ai rien dit. Voilà! C'est ce qui s'appelle mourir. Impeccable. Il y avait rien d'autre par ici? Hein? Ok. On prend un peu de vie, ça fait pas de mal. Et on y retourne. Ouais, bah vas-y. Tu t'es mis tout seul dans cette situation. Et si je fais juste ça, il meurt pas. Et c'est bien le gars, il là-bas, le Stormtrooper, il a niqué des caisses pour moi. Tranquille. Hop là. Non, 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 je ne suis pas d'accord. M'étonnerait qu'il retente le coup.
Je crois que c'est sûr. Suivez-moi maintenant. Rencontrons une résistance acharnée. Envoyez renfort immédiatement. Où étiez-vous passé? Abattez-les. Hop là. De renfort. Ah si. Voilà. Terminé. Hey. Hop là, celui-là, je l'ai tué sans viser. Au calme. Ben. Putain, ils auraient pu nous laisser le combat, quoi, sans déconner. Non. Cours, Luc, cours. Ils auraient pu nous laisser le combat. Bande d'enfoirés. Je n'arrive pas à y croire. Obi-Wan nous a sauvés en désactivant le rayon tracteur. Maintenant, nous allons pouvoir rendre justice à tout ce que Vador et l'Empire ont fait souffrir. Et une fois avec la flotte, qu'est-ce qu'on fera, Votre Altesse? Et maintenant, nous allons les attaquer. Oh, non. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'ai dû la faire en quelques jours là pour faire les autres missions. Enfin, j'ai fait une pause et tout ça, donc je me souviens plus trop. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis, je sais pas, déjà dit ça, enfin voilà, bref. Allez, sur ce, ciao, à plus, bonsoir.